Donc, 9h01, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle François Guay-Florent, je suis personne ressource du Récit FGA au centre du Québec, plus spécifiquement installé dans la magnifique région de Nicolet. Et je suis en compagnie cette année, petite nouveauté de mon co-animateur. Je le laisse se présenter. Donc, bonjour à tous. En effet, j'ai accepté le défi. Je me présente Hugo Versailles. Je suis conseiller pédagogique au Centre des services scolaires des Samards dans la région de la Naudière, donc dans le coin de Joliette. Je chapeaute quelques centres. On a environ six centres là, que je chapeaute. Donc, bien heureux d'être avec vous cette année. Donc, on poursuit là, dans la même lignée des années précédentes. J'ai oublié de demander à Richard, là, c'était la combientième année, là, mais j'estime à quoi, 8e, 9e année qu'on organise ce genre de rencontre là, qui permet à tout le monde de réseauter, de se parler, d'échanger sur nos défis, de se partager du matériel, etc. Donc, merci d'être fidèle au poste. Si vous n'étiez pas là, nous n'existerions pas. Voilà. Un point 3 très rapide, là, nouveau Doris Saint-Amand, qui était responsable des programmes et de l'évaluation au ministère à la FGA pour sciences techno, bio, etc. A pris sa retraite l'an dernier, après une carrière bien remplie. Donc, c'est Félix Maltais qui a accepté de relever ce défi. Félix est basé près d'Alma, au lac Saint-Jean. Donc, il sera avec nous à la prochaine rencontre. Aujourd'hui, il n'était pas disponible, malheureusement, donc il pourra se présenter. Sinon, point 4, on est dans les annonces, les nouvelles personnes. Donc, nouvelle responsable sciences FGA, FGJ là, à la GRIX. Et je vous présente, ben, je laisse Marie-Josée se présenter à nous. Merci Alors, d'être là, bonjour Marie-Josée. tout le monde. Oui, très contente d'être parmi vous. Faites partie de mes beaux défis à relever cette année. Hein? Donc, un peu comme François l'a dit, j'ai les dossiers FGA et FGJ. Je proviens du côté FGJ, donc enseignante en sciences. Pendant de nombreuses années, j'ai eu un petit intermède de CP durant le début de la réforme. J'ai fait CP maths sciences primaire secondaire pour entre autres l'implantation. J'ai été aussi au niveau de la table pour l'écriture des programmes pour le projet intégrateur. Donc j'ai eu la chance de tester et d'enseigner ce programme qui a malheureusement pas mal mort maintenant. Quelques écoles le donnent encore, mais plus beaucoup. Alors, mais c'est ça, j'ai enseigné majoritairement là, en sciences secondaires 3, 4, 5, donc surtout au deuxième cycle. Donc, je connais, après la lecture des programmes aux adultes, je me retrouve. Alors, pas trop de problèmes avec ça, là. Donc, c'est ça. Fait que c'est mon défi cette année. Je suis entrée en poste il y a près d'un mois. Donc, je suis encore en appropriation de tout ça. J'imagine là que vous voulez plus savoir, parce que c'est bien beau de connaître la personne, mais plus savoir qu'est-ce qu'il y a sur mon plan de travail pour cette année. Donc, dans le fond, ce que je peux vous dire pour le moment, okay, c'est que on a un examen de 40-59 qui est prêt à traduire. Normalement, mon traducteur devrait me faire signe sous peu à ce qu'il m'a dit. Donc, traduire de l'anglais, c'est qui a été déposé en juin en anglais. Et Barbara, que vous connaissez, hein, qui a fait partie de vos sessions, qui m'a dit qu'il devrait avoir sous peu aussi un 40-60 là, qui devrait être prêt à traduire. Et j'ai un 40-59, un 40-60. J'attends le retour du responsable du centre de services de Rivière-du-Nord qui ne m'a pas encore contacté, là. J'essaie de le rejoindre pour savoir qu'est-ce qui se passe avec ces épreuves. Donc, on devrait avoir ça aussi là, à finaliser sous peu. Évidemment, prêt à collaborer avec vous aussi, hein, apprendre à faire ça. Donc, si vous avez des choses à me proposer,
je vais être disponible. Ça fait le tour pour moi. Je pense que Marie-Josée a un responsable Rivière-du-Nord qui a levé la main. Mais il est peut-être rendu à Laval. Là. En tout cas, il y a peut-être transfuge, mais bon, je laisse la parole à Martin Hébert. Ah, c'est en bonjour, plein ça, François. En fait, bonjour, j'étais responsable du dossier jusqu'au 30 juin. J'ai pris un poste à Laval à partir du 1er juillet. Ils n'ont pas trouvé de personne pour reprendre le dossier. On pourrait peut-être en parler quand même après, si vous voulez, là, pour faire un suivi, parce que ça faisait partie de mes préoccupations. À Laval aussi, on aimerait ça avoir cette veste-là à un moment donné. Fait que, si vous voulez, contactez-moi après. Parfait, ça va me faire plaisir. Martin et France? On avait une version de 4059. J'ai appris cette semaine que BIM ne la prenait pas. Fait que je vais demander à tout le monde de la garder dans leur version maison, mais qu'elle ne se promène pas. Parce que tant qu'on n'aura pas de version supplémentaire, nous, on va continuer à l'utiliser comme examen maison. Fait que je demande à tout le monde de garder là, la version qu'on a partagée comme une version d'examen officiel, s'il vous plaît. Donc, les gens qui l'ont reçu, ben, qui te l'avaient demandé, là, doivent se reconnaître. Merci, France. Donc, Marie-Josée, est-ce qu'il y a un dernier mot à ajouter ou ça faisait le tour? Moi, ça fait le tour. Ah, Barbara fait dire que c'est ça, là, maintenant, elle va faire partie de l'après-cours anglophone. Mm-hmm. Alors, je sais qu'elle, c'est ça, là, elle était un peu triste de ne pas être avec vous. C'est tellement un gros party, nos rencontres. Mais merci d'être là. C'est correct que vous vous séparez la tâche aussi. Hein? Vous avez vos dossiers. Oh, bon, on a quand même commencer. Un petit peu de travail en vue. Je suis pas inquiet. Ben, merci beaucoup, Marie-Josée, d'être là. Donc, si jamais il y en a qui veulent contacter Marie-Josée pour produire des épreuves en physique, ben non, en tout cas, il vous en manque surtout un CG là, qui est le besoin le plus pressant. Là. Mais n'hésitez pas. En bio aussi. En bio à venir, là, ouais. Ouais, à venir, ça, c'est ça. Ouais. On a hâte, mais ça aboutit pas. Ça aboutit pas. Point 5, JPMV. Écoutez, je pense que c'est moi qui l'ai écrit, mais là, Laurent Demers, le grand Manitou de la JPMV avec toute son équipe, est là, présent. Donc, je sais pas si tu veux faire parler de ça ou il est trop tôt pour inviter les gens de partout au Québec, là? Je sais pas. Bonjour tout le monde d'abord. écoute, il est peut-être un peu tôt pour inviter les gens à participer, mais il n'est pas trop tard pour proposer des ateliers, par contre, parce que là, on est actuellement en période en appel de proposition d'ateliers. Et ça, c'est jusqu'au 1er octobre. Donc, il reste encore quelques jours là, pour proposer des ateliers. Nous, en Montérégie, naturellement, comme c'est un événement régional, c'est Montérégie-Estrie, là, c'est les deux, on a une période d'inscription là, qui va être ouverte juste aux gens de la Montérégie là, au tout début. Ça, c'est s'il y a des ateliers qui sont contingentés. Si jamais tous les ateliers étaient ouverts, là, sans maximum, là, on pourrait l'ouvrir à tous dès le départ, mais étant donné que les ateliers sont contingentés, on le réserve à la Montérégie dans les deux premières semaines d'inscription. Puis après ça, à partir du 12 novembre, donc l'inscription sera ouverte à tous. À ce moment-là, on va utiliser les plateformes là, habituelles pour publiciser l'événement, en fait. Donc, ça a lieu le 19, c'est en virtuel, ça va être sur Teams, donc... Combien ça coûte, Laurent? Combien ça coûte? Ça, ben écoute, là, c'est une maudite bonne question que tu me posais. L'année passée, ça ne coûtait absolument rien. C'était gratis. Oh. Parce que comme c'était en visioconférence, donc en virtuel, il n'y avait pas de frais. Parce que nous, ça n'engageait pas nécessairement de frais supplémentaires non plus à recevoir des gens d'autres régions. Mais bon, je vais valider quand même là, l'information. Mais d'après moi, ça ne coûtera pas cher. Si ça coûte quelque chose, ça ne coûtera pas cher. Donc, c'est une bonne offre de formation continue là, pour toutes les disciplines. J'aimerais d'autres collègues aussi. Oui, ça va être à peu près une trentaine d'ateliers. Là. Il y a trois blocs d'ateliers dans la journée. Donc, au total, ça va être à peu près 30-35 ateliers là, qui vont être offerts pour toutes les disciplines là, déjà. C'est sûr qu'en sciences, François, tu le sais, mais en sciences, on n'a pas grand-chose en ce moment
à se mettre sous la dent, là. Donc, on n'a pas beaucoup de propositions d'ateliers. Mais alors, si jamais quelqu'un parmi vous, là, que vous avez fait des projets dans votre classe, vous avez des trucs intéressants qui se déroulent dans votre centre, ben, communiquez-les. Envoyez-moi votre proposition d'atelier. Là, je donnerai bien le lien vers le formulaire, mais le lien vers le formulaire se trouve sur le site web qui est sur le WordPress, qui est le même que Richard, qui marche pas ce matin. Donc, mais je vais mettre un lien directement vers le Google Form, tiens, ça va être réglé. Si jamais il y a des ateliers à proposer, là, ça va être directement dans un clavardage. N'hésitez pas, là, même Charles Fortin, qui est nouveau, pourrait présenter quelque chose, pourrait présenter qu'est-ce que l'équipe a produit aussi, discuter autour de ça. Bref, il y a pas de restrictions et c'est toujours agréable. Et on est entre enseignants CP, là, donc. Ouais, puis là, je vois qu'il y a des gens de la Montérégie. Je vois Élise, je vois Sylvain. Donc, si vous avez des choses à proposer, Élise, Sylvain, allez-y, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Laurent, donc, allons au point 6. Lundi, c'est un point de Hugo Versailles. Ben, je lui laisse la parole. À toi, le micro, Hugo. Oui, merci, François. Dans le fond, nous, on s'apprête à faire l'achat de l'indispensable en sciences pour nos enseignants. Exactement, je vois plusieurs longs. C'est excellent. Moi, j'ai communiqué avec la représentante, si on peut dire, de ce FAD qui m'a gentiment partagé une version web de tout ça. Puis, je l'ai feuilleté rapidement, je vais être très franc, je n'ai pas eu le temps de l'éplucher à mon goût, mais je voulais voir votre avis, à savoir est-ce que c'est un bon outil. À première vue, là, quand j'ai regardé la table de matière, ça semblait être très intéressant, mais c'est surtout pour avoir votre avis. Je ne sais pas, est-ce que vous aimeriez que je vous partage peut-être juste la table de matière pour ceux qui ne l'ont pas, vous voyez un petit peu ce qui est abordé à l'intérieur. Là, je pourrais vous partager ça ici. Donc, c'est l'indispensable. Je sais que dans notre centre, nous, on a l'indispensable en mathématiques qui est assez apprécié des enseignants parce que ce n'est pas juste un dictionnaire mathématique, c'est vraiment aussi, on voit les stratégies. Ce que j'aime beaucoup en sciences, c'est qu'on dit, ben, tout d'abord, comme vous voyez, le premier chapitre, là, c'est les rappels mathématiques qui sont importants. Ensuite, il y a les savoirs par univers. Bon, l'univers, on a plus ça au secteur jeune. Les univers, c'est plus détaillé, à mon avis, au secteur jeune qu'en FGA. Mais bon, on peut s'y retrouver quand même. Excusez-moi si je vais trop vite, ça va peut-être vous donner mal au cœur un petit peu. Les sécurités, les techniques en laboratoire, c'est aussi abordé. Puis, la partie que j'aime beaucoup, moi, c'est la communication scientifique. Nos élèves, nous, en tout cas, dans nos centres, ont beaucoup de difficultés à rédiger un rapport de laboratoire efficace, bien monté, tout ça. C'est encore souvent fait à la main. Là, éventuellement, moi, c'est un de mes projets qu'on informatise tout ça. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Puis aussi, des stratégies, des méthodes scientifiques qui sont abordées. Puis, à la toute fin, un petit surplus. Là, on a une espèce de petit repère culturel là, pour les différents univers. Donc, on est vraiment dans l'histoire des sciences, si on veut. Intéressant. C'est un surplus. Moins utilisé, je crois. En tout cas, pour ce qui est des mathématiques, c'est le même principe. Là. C'est beaucoup moins utilisé, cette partie-là. Mais c'est un surplus qui peut être peut-être intéressant. Donc, moi, je voulais savoir votre avis. Est-ce que c'est une bonne idée que je demande à ma supérieure l'achat de ce matériel-là ou non? Donc, ça, j'ai vu que... Oui, Élise. Donc, notre centre a fait l'achat de l'indispensable l'année passée. Je vais être très honnête, c'est la troisième fois que je l'ouvre en un an. Okay? Il est très beau, très esthétique, très complet. Il est en couleur, il est agréable. Nous, on est déjà avec SOFAB en SCT, donc nos élèves ont le guide, ont la boîte à outils, ont le portail SOFAB. Donc, il n'y a pas vraiment de nouveauté dans le cahier l'indispensable en ce qui concerne l'élève. Ça ne va pas plus loin. C'est juste que ça rassemble tous les quatre cahiers de SCT. Donc, c'est comme un petit condensé de tout ce qui est important. Ça peut être intéressant. En tant que prof, moi, d'habitude, je travaille à partir du matériel de l'élève, là, donc avec l'élève et son matériel. Donc, j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin là. Donc, je n'ai pas vraiment de plus-value. Mais je me dis peut-être que je devrais le laisser sortir puis l'essayer plus souvent. Okay? Donc, c'est juste des habitudes à
à changer peut-être, là, parce que quand même, c'est vrai que c'est bien fait. Pour consultation rapide, pour accompagner mes élèves ou moi-même trouver de l'information. Je pourrais peut-être juste dire que la section que je trouve la plus intéressante, bien, il y en a deux. Il y a celle vers la fin qui porte sur les techniques de laboratoire, donc les techniques de manipulation. Oui, l'élève l'a dans sa boîte à outils, mais les boîtes à outils sont sectionnées par sigle, alors qu'ici, j'ai l'ensemble des techniques de manipulation, donc ça peut être intéressant de les avoir. Puis, l'autre que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a une espèce de ligne du temps, si on veut, là, une espèce de ligne du temps avec tous les repères culturels. C'est vraiment bien fait, là. C'est sûr qu'avec mon filtre, vous ne voyez peut-être pas bien. Là, ce que je le partage à l'écran. Mais ça, j'ai trouvé ça bien, la ligne du temps. Là. Bon. Donc, si vous avez de l'argent en masse, pourquoi pas, gâtez-vous. Si vous êtes serré dans le budget, c'est un pensez-y bien. Porte-t-il bien son nom? Indispensable. Je n'en suis pas convaincue, mais n'empêche que c'est quand même un bel outil. Voilà. Merci beaucoup de ton partage. C'est gentil. Je crois que c'était Christian par la suite. Oui. Bonjour. Alors, un peu pareillement, moi, ça fait environ un an que je l'ai. Puis, ça fait à peu près un an que je ne l'ai pas ouvert avant ce matin. Sauf que je me rappelle un peu de la réflexion que j'avais eue à ce moment-là, qui n'a pas tellement changé, c'est qu'il est super intéressant comme œuvre de référence, mais je trouve qu'il est un peu difficile à utiliser en classe d'un point de vue pratico-pratique, parce que souvent, les élèves, il va leur manquer un petit savoir ponctuel, quelque chose qui est loin. Et puis, OK, il est peut-être dans l'indispensable, mais encore faut-il, d'un, que nous autres, on sache où, qu'on sache guider l'élève. De deux, il faut que l'élève sache que le manuel est disponible. Puis bien souvent, ce que je trouve, c'est que quand ça va être quelque chose de ponctuel, je prends un exemple banal qui m'est arrivé cette semaine. Quelqu'un qui me dit « je ne me souviens pas des différents préfixes du système métrique, méga et tout ça, pico et tout ça, puis qui n'avait besoin en électricité, par exemple. » Je dis « bien, ça va être plutôt que de l'envoyer là-dedans le voir. » Probablement que je vais juste faire un petit document qui dit « tiens, voici, je l'intègre à mes cahiers de notes. » Je ne sais pas trop sur quel pied danser. Le questionnement que je suis en train d'avoir, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le suggérer à nos élèves qui ont un long parcours de sciences à faire? Quelqu'un qui commence, par exemple, en SCG, puis qui va avoir à se rendre à chimie, physique, ou là, peut-être d'avoir cet ouvrage de référence-là pas loin, pour être un 20 quelques dollars bien dépensé. Mais évidemment, ça nécessite que nous, on se l'approprie aussi, ce qu'on n'a pas. Je pense que toutes les personnes ont beaucoup à date. Mais en effet, est-ce que je me trompe si on avait ça en classe sans nécessairement que tous nos étudiants aient un exemplaire, si on l'avait en classe, mais plus accessible peut-être, non? Bien, ça pourrait être intéressant, mais encore, je pense que le préalable, c'est nous de nous l'approprier, de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Puis je pense que ça, c'est une question de temps, simplement. Excellent. Merci, Christian. Ensuite, France. Et que chez nous, effectivement, on l'a, j'en ai une copie dans chacun des édifices depuis qu'il est sorti. J'ai celui en maths aussi. C'est un très bel outil. La matière est rassemblée à l'intérieur, mais quand j'ai un élève qui pose une question, comme on travaille déjà avec des outils très technologiques, les élèves ont plus l'habitude d'aller sur AlloProf. Mm-hmm. S'il y a une question, la réponse est au bout de le doigt. Puis on travaille beaucoup l'autonomie pour la recherche d'information. Comment on cherche, comment on trouve l'information. Et la mode n'est pas d'aller dans les livres. Mais est-ce que la version PDF, dans ce cas-là, est-ce que ce serait mieux, peut-être? Parce qu'on peut faire une recherche directement. Parce que moi, c'est la version que j'ai présentement. Là. Je peux faire une recherche, trouver un concept avec un mot-clé ou... À ce moment-là, il faudrait le rendre disponible sur le serveur de l'école. Pour voir si c'est possible. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, comme on ne travaille pas beaucoup
avec le matériel de Safad. Ils vont pas dans le portail, mais qu'on travaille plus la recherche d'informations fiables sur le net. Avec quoi est-ce qu'on peut aller chercher notre information au bout des doigts? Excellent. Mais on en a un, fait que si j'ai des collègues qui sont intéressés, ben à ce moment-là, ils peuvent l'utiliser, mais moi, je ne le recommanderais pas nécessairement. Excellent, mais merci, France. Sylvain. Oui, il y a quelqu'un qui vient de mentionner PDF. Moi, je ne suis pas un gros fan de la version PDF parce que non. Peut-être que nous autres, on peut chercher, on peut faire ci, mais là, il faut passer à nos élèves. Là. La plupart vont naviguer ces genres de choses-là avec leur téléphone. Naviguer un document de 270 pages PDF dans un téléphone, il y aurait de l'éducation à faire là-dessus. Puis moi, je vais rejoindre un petit peu tout le monde. Là, ça a déjà été dit, fait que je vais faire ça vite. Là. Effectivement, c'est la même chose. Moi, j'ai surtout travaillé avec celui de maths parce que celui de science était sorti plus tard, donc moi, je ne l'ai presque pas utilisé. Je l'aimais beaucoup, mais en même temps, c'est ça. Souvent, je me rends compte, ça fait 2 mois, puis il n'a pas servi. Mais moi, je le voyais plus, Christian mentionnait, là, référence. Moi, c'est un peu comme ça que je le vendais, entre guillemets, aux élèves, je le voyais en termes de formation à distance, où les élèves n'ont pas accès toujours à un prof aussi rapidement. Je le voyais de deux façons. Un, les élèves, là, que ça fait longtemps qu'ils ont fait leur science, qui font un retour, qui ont besoin d'un rafraîchissement. Je trouvais que c'était un bon outil. Ça prend quand même une base. Si on n'a pas fait de science de 4 du tout, ça ne sera pas utile. Mais aussi, je me disais, c'est un outil qui peut les suivre au cégep là, assez facilement. Là. Fait que, mais moi, j'en ai une couple là, pour revenir au PDF, qui l'ont acheté en PDF. Puis bon, c'est moins cher. Il est disponible. Oui. Là, sur le site de SOFAD, il peut être acheté directement en PDF. Mais en tout cas, moi, pour moi, je l'aime pour être capable d'utiliser partage d'écran. Mais pour les élèves, je ne suis pas sûr. Là. Donc, si je comprends, c'est peut-être plus un outil pour un enseignant. Moi, je le voyais aussi pour les... On a souvent des nouveaux enseignants qui ont une expérience comme moi en mathématiques, mais en sciences, très peu. Je voyais ça peut-être aussi pour ça. Mais c'est sûr que l'application, ce que je comprends, c'est que l'application ou l'utilisation avec nos étudiants, c'est peut-être pas l'idéal, mais peut-être plus pour un enseignant là, qui voudrait garder... ou qui voudrait s'aider plutôt. Là. OK. Bien, merci. Merci. Ça va... Peut-être diriger un petit peu ma réflexion. Je ne vais peut-être pas me lancer dans une grosse dépense. Alors, un par centre, c'est peut-être suffisant. Merci. On passe au prochain point. Yes, merci Hugo. Point 7, je n'ai pas écrit version A, là, mais vous aurez deviné. Secondaire 4 et 5, il y a eu des prototypes ministériels version A. Puis, je voulais voir avec vous, en date d'aujourd'hui, là, quels usages vous en faites? Est-ce que vous les offrez? Est-ce que vous les utilisez? Ou vous les avez mis de côté? Ou vous les avez modifiés? C'est une question des fois que je me fais poser, puis que nous, on s'est posé à l'interne. Là, très peu d'élèves par année, donc on les a mis de côté parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Mais peut-être les... En tout cas, bref, je vous lance la question. Bien, ce que je peux dire, je vais prendre la balle, là. Ce que je peux dire de notre côté au SAMAR, ce qu'on a fait parfois, on a pris une version, la version A, mais on a pris une des deux parties. Donc, il se peut qu'on ne fasse pas, par exemple, la partie pratique où on fait seulement la théorique ou vice-versa, tout dépendant des versions. Puis, de notre côté, la seule version A qu'on ne fait pas du tout, ni pratique, ni théorique, c'est le chimie 50-61. Le reste, soit qu'on le donne en entier ou une seule des deux parties. Je ne peux pas en dire vraiment plus. Ça a été une décision qui a été prise avant que je sois CP, puis je les connais un petit peu moins, mais c'est ce qui se passe d'un côté. C'est toujours, est-ce qu'on travaille dessus ou on attend que les versions révisées arrivent? On est un peu... un peu entre les deux, là. Mais sinon, si ce n'est pas quelque chose qui vous tracasse, on va passer au prochain. Oh, France Vallée! Chez nous, on a décidé de ne pas travailler les versions. Fait que il y a des versions
surtout les parties laboratoire, on en a privilégié une. Je ne me souviens pas si c'est là-haut, là, je ne sais pas par cas, mais on n'a pas travaillé et on espère là, avoir des modifications éventuellement là, pour que ce soit plus performant. Là. Ça dépend beaucoup du volume. Là. On n'a tellement pas que c'est pas tant un besoin, mais en même temps, on a des gens qui s'occupent de ça. On a une surveillante d'examen qui a besoin des informations. Mais c'est bon, merci beaucoup. En fait, c'était juste pour savoir si vous aviez peut-être une idée de quand est-ce que les nouvelles versions vont sortir. J'imagine que si vous posez la question aux enseignants... Excusez, il y a eu la cloche là, par chez nous. Si vous posez cette question-là, c'est parce que vous n'avez pas encore d'informations très précises, mais est-ce qu'il y a peut-être un petit insight ou non? Non, c'est une question qui m'est souvent posée là, par les... Je poserai la question le 22 octobre à Félix Maltais, là, mais moi, je n'ai aucune idée. Malheureusement. 28 octobre. 28, merci. On est le 22 aujourd'hui. Merci, Hugo. C'est ça. Félix va être avec nous, donc peut-être qu'il y aura une meilleure idée là, de son rendu où dans le cheminement qui vient un jour à la publication. Là. Ça sera à suivre. OK. Puis en réponse à votre question, là, nous, dans beaucoup de sigles, là, la version ministérielle, on l'a condamnée. On ne l'utilise pas ou seulement en dernier recours quand un élève a fait toutes les autres versions. Là. Dans beaucoup de sigles, oui. Oui, c'est un peu ça aussi, notre politique. Là, mais c'est bon, merci beaucoup, Olivier. Huguette? Oui, alors, je voulais juste dire que nous, dans certains centres, il y en a qui ont modifié, mais ce n'est pas des grosses modifications, ils sont beaucoup inspirés, mais ils ont des fois changé un petit des textes, ajouté des informations un peu. Mais ce n'est pas généralisé. Mais c'est drôle parce que c'est une des questions que j'ai envoyées à mes CP centres il y a 2 semaines. Je n'ai pas eu de réponse encore. Ça a l'air d'être assez touché comme chose, là, mais c'est ça. Fait que, ouais. Certains centres ont fait des modifications, mais pas majeures. Là, comme tel. Mais on a tous des hâte d'avoir les modifications sur lesquelles on a déjà travaillé depuis plusieurs mois. Oui, c'est ça. Tu sais, quand c'est BIM, on envoie des rétros, puis c'est quand même assez rapide, mais là, les prototypes, ça fait plusieurs années qui sont parfois un peu déficients, puis c'est pas juste ça, on a hâte. Ceci étant dit, point 8, compagnie RP a sorti un nouveau cahier pour compléter leur série, donc le 4063. Puis moi, j'ai un enseignant chez nous qui me dit ouais, tu sais, est-ce que quelqu'un a fait un cheminement pour ce cahier-là, RP-FGA, si on veut, là, où on continue de prendre ça FAD, qu'est-ce qu'on fait, là? Donc, là, je me suis dit, je vais interroger la communauté. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont ouvert un chantier pour faire un cahier d'accompagnement pour le nouveau RP-4063-FGA? Où tout le monde attend que quelqu'un le fasse et là, on se met ça ensemble, etc. Christian, France et Martin. C'est très d'actualité dans mon cas parce que je suis dedans. On avait, pour ceux qui ne sont pas au courant, on avait nous autres produit un cahier d'accompagnement pour fonctionner avec le cahier ATS de RP, qui on s'entend était quand même similaire en termes de contenu, là, mais c'est sûr qu'il fallait faire un peu de gymnastique. C'est ça, puis combler des trous. Avec le cahier FGA, c'est un des chantiers sur lesquels j'ai commencé à embarquer tout de suite en arrivant cette année. Et je vous dirais qu'en date de hier, j'ai à peu près fini jusqu'au dossier 4. Il me reste à boucler un peu le tout. Il y a encore des petites lacunes, évidemment, côté contenu, qu'on parle par exemple d'avantages mécaniques, qu'on parle, des fois c'est une question aussi d'évaluation, pas nécessairement de lacunes dans le matériel, qu'on parle de matériaux et tout ça. Alors là, je suis un petit peu encore en train d'essayer de boucher les trous tranquillement, pas vite. Je prévois que d'ici la fin octobre, je vais être en mesure de déposer ça sur Moodle, si tout va bien, là, s'il n'y a pas d'imprévu. Donc, Christian, si je ne me trompe pas, tu fais un petit peu comme vos autres cheminements, donc un peu
fais ça, 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 ensuite fais telle autre chose qui n'est pas nécessairement dans le cahier, ensuite fais telle page, ensuite fais tel atelier. Dans le fond, pour les gens qui se demandent ce qu'on ferait carrément, les cahiers existants sont déjà, qu'on utilise déjà, nos cahiers de cheminement sont déjà sur Moodle, fait qu'on peut quand même voir un petit peu là, une idée, effectivement. C'est vraiment nos feuilles de route en séquence dans l'ordre, avec nous, qui nous sert à la fois le cahier de lab et ainsi de suite. Merci beaucoup, Christian, France. Fait que, effectivement, chez nous aussi, c'est quelque chose qu'on veut regarder parce que tout notre profil se fait tout avec RP. Fait qu'on n'avait que le 4063 qui est avec sa femme. Il est rentré tard à la fin de l'année dernière. Donc, c'est plus un projet là, pour regarder, faire des tests plus après les fêtes cette année. Merci, France. Martin? Ben, je suis toujours dans mon changement de chapeau progressif. Je sais qu'à Rivière-du-Nord, il y avait quelque chose qui avait été développé. Je peux essayer de mettre la main dessus et voir si on peut vous le partager. Compte tenu que personne n'a pris le relais pour le CP, je sais que l'enseignante, elle a travaillé quand même sur quelque chose. Je me rappelle en juin qu'on a travaillé sur des graphiques. Fait qu'elle doit avoir quelque chose là, qui est partageable probablement. Je vais vérifier avec elle. Ouais, merci, Martin. Viviki? Ben, je suis contente de savoir que c'est pas juste moi qui travaille dans ce chantier-là. Moi, j'ai travaillé avec les deux SOFAD et RP. Évidemment, RP, comme dans tous les autres cours, faut ajouter des choses, faut vraiment l'enrichir, puis il manque vraiment plein de choses. Je considère que c'était incomplet un petit peu. J'ai travaillé avec Moodle pour pallier à ça. J'ai une feuille de route, je suis assez avancée. C'est juste que moi, c'est au niveau des conceptions que je suis pas encore satisfaite. Puis SOFAD, je trouve que ça ne va pas assez loin. Là. Mais ça, je pourrais la partager. Mais c'est ça, moi, je suis allée chercher beaucoup de choses au CDP. J'ai des animations, là, c'est vraiment bien. Je pense que c'est fonctionnel, mais bon, il y a encore quand même pas mal de travail, si ça vous intéresse. Puis j'ai aussi fouillé du côté de ce que Guy Mathieu avait déposé. Il y a vraiment des bijoux, là, des belles activités. Donc, mais c'est pas encore achevé. Je n'ai pas de cahier comme tel imprimé. Là. Mais ça fonctionne. Là. J'ai deux élèves qui l'ont terminé, mais ça reste pas évident. Puis c'est au niveau des activités de laboratoire. Là. Ça, je trouve qu'il n'y a pas d'entre-deux. On pas va encore vite, satisfaite, là. Non, mais je ne serai jamais satisfaite. On travaille tellement c'est fort. C'est un autre. Mais bref, c'est ça. Si je peux, moi, ça ne me dérange pas de partager ma feuille de route. Ça peut donner là, des idées là, de tout ce qui manque. Là. J'ai quand même fait un bon travail l'année passée. Là. La COVID a un petit peu aidé. Pendant que je n'avais pas de questions en ligne, j'ai travaillé sur ces parcours-là. Donc, voilà. OK. Je pense que c'est un oui de la communauté. Là. On peut peut-être faire des réactions. Là, Je pourrais peut-être la déposer. Ou... C'est où qu'on dépose maintenant? Habituellement, c'est sur le forum Moodle FGA. OK. C'est pas 30 ans de Carrefour? Carrefour non, c'est pas là. OK. Je vais déposer ma feuille de route, ma dernière version. Si jamais vous voyez des choses, vous ferez des rétros en échange. Ça me fait plaisir. Super, merci. Puis suite à notre dernière rencontre, on avait voté à l'unanimité de. Il y avait deux forums de sciences dans le Moodle FGA. Là, il s'est rendu juste un. Donc, il y a un seul forum, donc on peut plus. On peut pas se tromper là, de où on dépose, quoi. Merci beaucoup de vos interventions. Donc, ce que je constate, là, c'est qu'il y a quand même des travaux en ce sens. Je peux lever la main. Là, notre centre de services scolaires serait intéressé à mettre l'épaule à la roue là, s'il y en a qui veulent qu'on Viveki, tu l'as dit, là, tu sais, peut-être regarder et commenter là, au lieu de tout refaire. Donc, merci à l'avance pour cela. On serait rendu au prochain point. Christian Lamoureux, est-ce que je te laisse la parole? C'était gamme de fabrication à fournir lors des examens 40-60, 40-63. Effectivement. Qui les utilise? L'an passé, on avait mentionné dans le forum là, qu'on avait discuté du fait que dans à peu près tous les cycles, on a une possibilité de proposer, en fait, de présenter un protocole aux élèves là, quand ils sont en difficulté, évidemment, à leur demande. Puis on avait remarqué qu'en 40-63, 40-60, c'était pas mentionné dans les consignes. Puis si je me rappelle bien, qu'on me corrige si je me trompe, le consensus était que ça devrait être, ce droit-là devrait y être quand même, là, cette ressource-là devait y être.
Alors, je me demandais s'il y avait du cheminement qui avait été fait ailleurs dans le réseau. Parce que moi, personnellement, j'avais l'intention à la suite de continuer là-dedans et de préparer ces documents-là pour 40-60-40-63. Je veux juste pas faire cavalier ça et donner une ressource de manière injuste à mes élèves là, si besoin. Alors, je n'écoute pas. Merci, Christian. Je me trouve drôle. J'ai levé la main. Marie-Josée, je ne sais pas si tu as accès, j'imagine, à toutes tes choses, là, mais de mon souvenir, 40-60 version B, dans le guide de l'enseignant, là, on donne cette feuille de route-là. Ben, pas cette feuille de route, cette liste d'opérations-là. Là, alors, je ne peux tellement pas t'aider. Parce que je n'ai pas encore des accès. Toutes ces choses-là. Non, c'est ça, je n'ai pas eu tous mes accès, je n'ai pas eu vu encore fait le tour de toutes les choses, okay. Mais je vais prendre une note, par exemple, avec plaisir. Parce que, comme Christian a dit, ce n'était pas dans les mœurs de fournir des annexes avec des listes d'opérations imprimables qu'on peut directement donner à l'élève, mais de mon souvenir, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont pas loin ou qui ont accès ou qui ça, mais je, t'en rappelle. Je reviens dans le compte rendu après, effectivement, pour voir si c'est le cas. Donc, Karine Cloutier confirme. Sinon, Christian, pour dire comment vous fonctionnez, est-ce que vous n'avez une que vous donnez ou vous prenez carrément celle du corrigé que vous donnez? T'sais, ça arrive à peu près jamais, là, mais est-ce que c'est... En fait, à date, en 40-63, ça ne s'est pas présenté, mais la question se pose quand même. On veut être préparé. Il faut être prêt, là, exact. C'est ça. On ne met pas une pause d'une journée à l'examen parce que c'est pas... Voilà. En 40-60, c'était arrivé une fois avec un élève qui faisait la version A, la première mouture de la version A, donc pour ceux qui la connaissent, voilà. Ça donne que je n'étais pas là, donc la TTP qui administrait l'examen ne pouvait pas avoir accès à une version là, qu'on aurait pu facilement imprimer. Fait que malheureusement, ça n'a pas été super bien. C'est un peu de là que la réaction a commencé. Alors, si là, c'était ça que j'étais en train de vérifier. Je pense que j'en avais produit une à partir de la version B. C'était ça que j'essayais de regarder. Là, j'ai juste pas avoir la... Non, je pense que je ne l'ai pas faite encore. Mais j'avais l'intention d'en produire. Pour le moment, ça ne s'est pas présenté vraiment. On va juste être prêt. Est-ce qu'il y en a qui ont quelque chose à mentionner pour ce point? Oui, Élise. Quand j'avais lu l'ordre du jour et que j'ai lu la mention des gabarits, je pense que j'avais mal compris le sujet. Maintenant que c'est mieux expliqué, je vais expliquer comment nous, on fonctionne. En gros, là, parce que c'est quand même pas moi qui administre les évaluations, là, mais cette année, on a la chance d'avoir, puis en fin d'année passée, on a eu recours à lui, un enseignant retraité dernièrement, un de notre gang, qui est revenu nous donner du temps comme TTP, spécifiquement pour les machines-outils. Donc, lui, il s'occupe vraiment de tout gérer ça. On est vraiment chanceux, là, c'est François Dion. Il nous aide énormément. Là. Puis, fait que c'est surtout lui qui s'en occupe, mais tout ça pour dire que, dans le fond, en 40-63, par exemple, pour cette version-là, en machine-outil, c'est que l'élève a quand même dans son cahier de l'élève un croquis là, ou une image grossière de l'objet qu'il est censé fabriquer. Donc, ça piste énormément. Là. On peut voir, OK, il faut que ça ressemble à ça, ça me prend... telle partie, ça me prend des parties, on les voit, c'est quand même déjà visuel. Donc, déjà, ça donne un gros indice à l'élève sur qu'est-ce qu'il est censé faire, premièrement. Alors que dans les cours plus en laboratoire de chimie, si l'élève n'a aucune idée comment s'y prendre, là, il peut vraiment bloquer, puis il va échouer l'examen, d'où la nécessité de fournir un protocole. Mais ici, l'élève a déjà un point de départ, un croquis qu'il va essayer de reproduire, d'une part. Deuxièmement, nous, la façon qu'on procède, c'est qu'il va avoir certaines pièces qui sont préparées
dans le sens que si l'élève doit avoir des roues, mettons, il va avoir sur la table des roues de différentes grosseurs. Il va avoir des bâtons de différentes longueurs, de différents diamètres, en tout cas. Fait qu'il peut choisir, sélectionner des pièces parmi ce qui est déjà là. Donc, il doit quand même faire des choix, il doit réfléchir quelles mesures il va utiliser, mais il y a une partie qui est déjà faite. Par la suite, il va pouvoir aller faire d'autres coupes ou poncer ou percer si ce n'est pas à son goût. Mais il y a une grosse partie qui est déjà faite, là, puis une partie de l'objet aussi qui est déjà préparé. Ça, c'est expliqué là, dans ce qu'on est censé fournir à l'élève. Bref, il y a déjà un point de départ, l'élève. Fait qu'on, nous, on en a quand même plusieurs élèves là, qui font cette évaluation-là, puis ça n'a jamais vraiment été un problème. Il n'y a pas vraiment d'élèves qui bloquent et qui ont besoin de se faire dire quoi faire là, à ce point-là, grâce à tout ça qui est déjà mis en place pour eux. Là. Donc, je voulais juste partager ça. Merci, Élise. Ça rejoint ce que Christian disait aussi, là, que ça n'est pas encore arrivé. Ça pourrait quand même arriver. Puis si ça, ce n'est pas un scoop, là, je pense, en tout cas, dans les versions qui arriveront un jour, il va y avoir des listes imprimables. Donc, si vous voulez le faire déjà, il n'en existe pas. Vous pouvez prendre celle du corrigé puis la refaire à votre goût, là, ce qui va être beaucoup moins long que de la refaire de zéro. Là. Je ne sais pas, Christian, si ça répond, mais tu sais, c'est légal, là, mais c'est très rare, comme Élise vient de dire, mais l'élève, même, ça le pénalise beaucoup, mais bon, c'est mieux que rien. Je voulais juste pas faire cavalier seul si je partais à faire ça, puis me faire dire après ça, hey, voyons, c'est injuste, et blablabla, mais là, j'étais d'accord. Merci. Ben, c'est en 40-60 pour BIM, je pense que c'est déjà dans les mœurs, puis ça va l'être un jour en 40-63. Élise. Oui, si je peux juste rajouter que en 40-63 notamment, c'est même pas grave si son objet fonctionne pas. Tu sais, il y a beaucoup de points qui sont accordés pour analyser. Bon, qu'est-ce qui a fait mon objet a pas fonctionné? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Donc, toute cette démarche réflexive là, d'aller-retour entre j'essaie quelque chose, je le teste, ensuite je me questionne pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. C'est quasiment une bénédiction si l'objet fonctionne mal. Parce que ça donne l'opportunité à l'élève de rétroagir sur sa propre démarche puis de répondre aux questions correspondantes dans l'examen. Tu sais. On ne vise pas un objet parfaitement fait. À la limite, on s'en fout quasiment. Là, tu sais. Je voulais juste rajouter ça. Donc, la nécessité d'avoir un protocole parfait ou une liste de procédures pour arriver pile poil sur l'objet miraculeux, c'est pas ça qu'on vise nécessairement non plus. En effet, c'est peut-être des fois des élèves anxieux ou tu sais, qui ont vraiment un blocage, un stress, je ne sais pas quoi faire. Là. C'est peut-être dans ces moments-là, au lieu d'un échec lamentable, d'offrir une marche à suivre pour aider certains élèves, mais en les pénalisant aussi, bien sûr. Oui, Sylvain, ensuite Diane. C'est juste pour appuyer ce qu'Élise dit. Là, c'est, je suis parfaitement d'accord. Là, je trouve que les élèves, souvent, là, on fixe tellement sur le technique. C'est, comme tu dis, François, sont insécures. Donc, oui, c'est important là, de lui rappeler que ce n'est pas ça le but de l'examen. Le but de l'évaluation, ce n'est pas de vérifier s'ils sont capables, de faire de l'ébénisterie, là, finalement. Donc, c'est important, nous autres aussi, là, de les préparer de cette façon-là. Là. Merci. Diane? Oui, bien, en fait, je vais peut-être faire ma trouble fête, là. Mais c'est parce que là, il n'y a pas de représentant du ministère ici, mais je sens déjà la petite voix là, qui dirait qu'un examen, une épreuve ministérielle, on n'a pas le droit de modifier ça. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, Christian. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je sais que les nouvelles épreuves mais vont être légèrement modifiées. Les tâches vont être différentes aussi, donc c'est sûr que ça amène à proposer une gamme de fabrication si l'élève n'y suit pas. Mais en tout cas, je ne sais pas, on dirait que je sens une petite gêne. En tout cas, moi, je ne parlerai pas de ça dans mon milieu. Rien, parce que je ne veux pas que mon responsable de sanction nous tombe dessus parce que... on modifie, c'est ça. En tout cas, je me sens un petit malaise parce que des fois, on entend dire, c'est ça, une épreuve du ministère,
Bon, garde, c'est peut-être... Exact, mais il n'y a pas, aucune modification de fait, c'est juste qu'il n'y a pas de consigne. Non, c'est ça, il n'y a pas de consigne. En l'absence de consigne, on peut présumer qu'on peut faire la même chose dans tous les cours. Tu sais. Il n'y a aucune ligne qui nous dit on ne peut pas faire ça ou ouais, on peut. Mais faudrait... juste... ce que ça signifie, c'est quand même prendre le document, le sortir une gare. En tout cas, sur gare, j'ai juste exprimé mon... Je ne sais pas, ça aurait été intéressant de savoir qu'est-ce que Félix aurait dit hein, avec son chapeau maintenant de représentant ministériel. Moi, j'ai juste partagé mon petit malaise, c'est tout. Merci Diane. Non, c'était important de le mentionner. Là. Moi, je balance en disant que j'ai zéro malaise, mais chacun ira comme il pense. Karine, oui, un prototype chimie physique, oui, mais là, on parlait 40-63, c'est une épreuve ministérielle. Donc, il y a des consignes à respecter, mais j'ai pas vu aucune consigne qui nous dit de pas faire ça non plus. Là. Donc, à vous de voir si vous prenez cette liberté. Oui, mais ça ne dit pas non plus, prends pas de dictionnaire, ça dit pas, tu sais, il y a plein d'affaires qui sont non dites, tu peux pas énumérer, tu sais, ce que le ministère a déjà dit, c'est que le ministère énumérera pas tout ce que tu peux pas faire, parce que on s'entend-tu, là, que tu peux pas mettre à, en tout cas, c'est ça, mais, donc, la consigne, c'est ça, ce que tu dois faire, c'est écrit là, le reste, c'est ça que tu dois faire. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais entendu, parce qu'on s'était fait dire la même chose en mathématiques, mais on avait dit, gars, à un moment donné, tu ne peux pas tout écrire ce que tu ne peux pas faire parce que la liste serait c'est sûr. intense. C'est tout. Voilà. C'est sûr, mais bon, on va clore le sujet. Il y avait un nouveau point que je pense Sylvain a ajouté, chantier laboratoire. Donc, je ne sais pas, peut-être tu veux en faire l'annonce tout de suite là, parce que la rencontre achève. On va aller au point 13. Ah, mais je vais faire ça rapidement. Là, de toute façon, je sais que si je prends trop de temps, tu vas venir te venger dans la pré-coupe de FAD. Là. Non, je vais juste lancer l'appel. Là. Je vois une couple de personnes. Là. C'est la problématique, essentiellement, je vais le répéter là, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là l'an dernier quand je suis venu le présenter, c'est qu'en formation à distance, là, il y en a qui ont des... Ben, c'est normal aussi qu'il y a des problématiques avec l'administration des laboratoires. Et littéralement, il y a des endroits, là, je pense que ça se fait cette année. Je pense qu'on parlait Côte-du-Sud qui ont littéralement abandonné les sciences pour la formation à distance à cause de cette problématique-là. Fait que ce qu'on avait commencé, puis on n'a presque rien fait à date, à part se rencontrer, changer là, le fonctionnement, puis partager nos pratiques, bien, on voulait se pencher là-dessus, puis dans le but éventuellement d'essayer de produire, pas nécessairement du clé en main, mais des pistes de solutions et des choses comme ça. Mais côté production, là, on n'a rien établi, donc tout est encore ouvert. Donc, il y a encore, je vais relancer le chantier, là, ceux qui sont là, là qui n'ont pas eu de rien là-dessous encore, là, parce que c'est moi là, qui n'ai pas relancé. Puis on a perdu une couple de participants parce que j'en ai une qui est passée au Dark Side, qui est devenue directrice d'école. Donc, il va avoir de la place pour d'autres gens. Ce que je vais faire, c'est que dans le chat, dans le document collaboratif, j'irai mettre mon calendrier, mon contact courriel. Comme ça, si quelqu'un aimerait avoir plus de détails, un petit peu, là, en parler un petit peu, je pourrais, ça serait possible comme ça. Donc, s'il y a des questions, là, présentement, je peux répondre. Donc, un chantier de travail autour des sciences à la formation à distance. Super, merci beaucoup. Sylvain? Je peux me permettre, François, je ne sais pas si c'est approprié, mais il y a quelques années, à l'Aquilagion, les gens du carcéral avaient présenté des kits en sciences. Là. Ce serait peut-être une avenue à visiter, ça. Il y a un travail qui a déjà été fait, parce qu'on sait que c'est particulier là, dans le carcéral. Et il avait déjà commencé à préparer des kits de sciences. Fait que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être ramené, je ne sais pas où c'est rendu, là, au carcéral. Là. Oui, bien, si c'est disponible, si quelqu'un a un lien, c'est ce qu'on fait là, présentement au début. Là, on a essayé de répertorier le plus de pratiques possibles qui se faisaient déjà. Effectivement, là, il y en a beaucoup là, qui ont des systèmes avec des kits qui passent aux élèves. Là, donc. Oui, Martin?
Je pourrais contacter Céline Chénard au carcéral qui nous avait présenté ça. C'est à peu près 2 ans. Puis, bien évidemment, au carcéral, ça prenait quelque chose qui était clé en main. Puis, ça prenait aussi quelque chose qui n'avait rien de coupable, rien où on peut tuer un collègue. Bon, je sais, dans vos classes, ça n'arrive pas, mais au carcéral, ça prenne pas de chance. Je peux demander à Aline si les trousses sont toujours disponibles puis qu'elle nous prépare une présentation si ça vous intéresse. Puis, ouais. Parce que je sais qu'on en faisait, là. Bonne idée. Merci. Je me suis suivi là-dessus, puis je vous reviens. Super. Merci beaucoup, Martin. Ça te fait pas mal de suivi, là. J'espère que tu te notes ça. Hugo? C'est ça. Pour avoir un centre carcéral là, sur notre territoire, nous, on n'offre pas les sciences, là, mais j'ai en effet assisté à certaines présentations de Lynn. Par contre, ce n'est pas tous les cours hein, qui sont offerts en milieu carcéraux. Là. Donc, il n'y a peut-être pas des kits pour chacun des sigles. Là. Par exemple, là, tout ce qui est machine-outil, là, donc 40-63, là, on ne touche pas à ça. Là. Mais en effet, il y a des kits pour plus, surtout à la CT. En chimie physique, je ne crois pas. Je pense pas qu'il y ait de chimie dans les milieux carcéraux, mais Lynn pourra nous en donner plus de détails, en effet. Il faut juste penser en tête que ce n'est pas pour tous les signes qu'on peut avoir ça. Super. Merci, Hugo. Matériel de CEFAD, d'ailleurs. Ça, c'est CEFAD. Excellent. Prochaine rencontre, Martin, 28 octobre. Donc, tu auras peut-être la chance d'avoir des nouvelles d'ici là. On va terminer. Hugo, je vais reporter ton point 10 à la prochaine rencontre, là, parce qu'il est quand même plus costaud. Puis, on va terminer avec le point 11. L'année dernière, Laurent Demers, ici présent, et moi-même avons présenté un webinaire là, sur comment travailler les tâches à réponse élaborée. Donc, les fameuses tâches avec du texte à répondre, entre autres, un peu comme aux examens, avec soit la séquence descriptive, séquence justificative. Laurent proposait là, de discuter, entre autres, avec vos collègues en français pour vous arrimer puis avoir une approche semblable aussi par rapport à ça. Donc, on en a rediscuté récemment, on était juste curieux, là, est-ce qu'il y en a qui ont fait ces approches-là ou qui ont quand même essayé d'implanter ça un peu en classe? Là. Il reste 5 minutes, si jamais il y a des témoignages, on aimerait ça les entendre. Sinon, bien, on vous invite à aller voir le webinaire si jamais vous ne savez pas de quoi je parle. Pas trop de travail. En tout cas, on va remettre le lien dans le document collaboratif, là, si jamais il y en a qui ne savent pas c'est quoi, qui sont curieux d'aller voir. C'est vraiment pour un peu des stratégies sur comment aider nos élèves finalement à expliquer le fonctionnement du Eolien. Parce qu'on a beau leur expliquer comment ça fonctionne, mais eux, ils ont de la misère à construire, à rédiger leurs réponses dans un ordre logique avec une chaîne causale, comme dirait Laurent. Donc, est-ce qu'il y a d'autres mini-questions ou points avant qu'on je vous laisse partir? Merci d'avoir été là et je vous dis au mois prochain, le 28 octobre, n'est-ce pas, Hugo? Exactement, 28 octobre à 13h30. 13h30, donc c'est un rendez-vous. Merci beaucoup et à la prochaine!